Bonjour et bienvenue à la Foire du Valais 2011. La 52e édition plongée dans un été indien de circonstances, puisque cette année, la Foire crée l'événement avec son expo sur les mythes et légendes de l'Ouest. Mais savourons d'abord l'ambiance extérieure. L'ambiance est chaude à l'intérieur du CERM, avec les incontournables hôtes d'honneur, des stands de toutes sortes, et avec une nouveauté cette année, l'espace d'ailleurs, un grand voyage à travers les marchés traditionnels du monde. La visite continue et nous sommes en ce moment au milieu des people, avec notamment le comité de la foire, les politiques, les invités de marque, une mention spéciale à la présence exceptionnelle d'Arline Geronimo, et oui, l'arrière-petit-fils du grand guerrier Apache. Qui célèbre la Foire du Valais, au nom des autorités et de l'ensemble de la population, je souhaite la plus cordiale des bienvenues. Et le débat qui est en train d'être entamé sur le service public me semble important. L'idée, je pense qu'il serait nuisible de tenter de... Cette année, à la Foire du Valais, on part à la conquête de l'Ouest. On peut également admirer nos amis les animaux de la ferme, se laisser porter par la musique, les spectacles et bien plus encore. On est là pour s'amuser, d'accord, mais aussi pour passer un bon moment de détente en toute légèreté. Et bien sûr, se refaire une santé. Fallait pas manquer ça, c'est déjà fini, mais ici au CERM, la foire continue. Alors, on se retrouve l'année prochaine. Allez, bye bye.